Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Que présentez-vous aujourd'hui? Je vous présente. Ici, dans ce musée, vous avez trois expositions de mon père, regroupées, qui montrent un peu toutes les facettes de son travail. Donc, vous avez en rez-de-chaussée une exposition que nous avons intitulée avec ma sœur Le merveilleux quotidien, c'est-à-dire il s'agit de beaucoup de tirages d'époque, ce qui s'appelle des vintage, pour montrer un peu voilà, toute la gamme de photographies possibles. Ensuite, vous avez plus loin, par là, les photos couleurs, un reportage qu'on avait commandé pour le journal Fortune, 1960, les Américains en Californie, les riches Américains qui s'installaient en Californie. Donc, c'est extrêmement moderne hein, comme photographie et couleurs. Et à l'étage, ceux qui l'ont photographié, les ateliers d'artistes, où nous sommes là actuellement. Nous sommes là, une très belle série ici qui est... Alors, Picasso, dans ses meilleurs modèles, disait-il, c'est vraiment qu'il avait eu le bonheur de pouvoir poser devant son objectif, ce qu'il avait plus de facilité pour poser, c'était Maurice Baquet, son grand ami musicien, fantaisiste aussi, Maurice Baquet, Buster Keaton, qui l'a photographié, qui savait se placer aussi devant son objectif, et Picasso. Et cette photo, c'était un reportage commandé pour un journal à Valoris. Il est allé rencontrer Picasso, il est arrivé dans la cuisine, c'était l'heure du déjeuner. Picasso était attablé avec Françoise Gillot, sa compagne de l'époque, et mon père, jetant un œil sur les... Vous voyez, c'est petit pain là, comme ça, en forme de doigt, les place devant Picasso, et immédiatement, il a pris la position qu'il fallait, sans que mon père lui demande, et cette photo, maintenant, elle fait le tour du monde, effectivement. Très bien, voilà. Nous allons continuer l'histoire ensemble. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci, madame.